Venise s'invite dans les rues de Collonges. Depuis 10 ans, les membres de l'association Collonges Festive se parent à la mode vénitienne et font rêver les habitants. Une parade vénitienne, c'est unique en Nouvelle-Aquitaine. Seule l'association en réalise. Et pour cause, des tenues comme celle-ci sont compliquées à réaliser. Une tenue comme ça, c'est entre 100 et 400 heures selon les difficultés des costumes. C'est des costumes qui sont extrêmement élaborés, qui sont faits sur le principe de la haute couture. C'est des réalisations qui prennent beaucoup de temps, parce qu'ils le font absolument tout. Il y a aussi bien la réalisation des robes, que des accessoires, que des chapeaux, tout est fait à la main. Des costumes faits main par les adhérents de l'association. Une trentaine étaient présentés hier à des spectateurs nombreux et éblouis par ce défilé. C'est bon. Les tenues sont réalisées avec des machines à coudre et des tables de coupe au sein des usines Sotis, qui permettent d'avoir de la place pour confectionner les habits. Un ancrage local qui n'empêche pas l'association de se déplacer pour d'autres parades comme à Martel, Souillac ou plus loin comme à Ivoire, en Haute-Savoie, pour une parade vénitienne en août.